Salut les poilus, on se retrouve. Sur God of War 4, mais c'est le cinquième opus vu qu'il y a eu Ascension. Alors on va prendre moyen, on va prendre moyen. On va voir ce que ça donne. Kratos a bien vieilli. On se demande d'ailleurs il a quel âge, parce que dans les anciens où il a niqué des dieux, bah, il avait l'air déjà d'un homme mature, mais là. Ok, il est pote avec un arbre. C'est intense. Ah. Le défoncer. Oups. On peut dire qu'il est vénère, je vais baisser le son du jeu. Parce que ça me défonce les oreilles. Oh, belle main. Belle main, belle main, belle main. Hop. Voilà. Ça pourrait être bon. Peut-être pas, il me défonce toujours les oreilles, mais c'est pas bien grave. Ah oui, il a pu les lames du chaos. Il a une hache. J'en ai trouvé. Son bandeau, il a un fil cool. Ah ouais, tranquille. Tout le monde sait faire ça. Prendre une bûche ainsi, un arbre carrément complètement en fait. Ok, on peut se déplacer. Ok, la base pour se déplacer. Alors bon, maintenant apparemment il a un enfant, ce qui veut dire que il a perdu déjà une femme. Il a niqué des dieux et après il a reniqué une femme. Autant se faire plaisir si vous voyez ce que je vous ai dit. Ça suffira. Ok. Ok. Alors je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être parce qu'on est sur PS4 et que ça fait un bail qu'il n'y a plus de God of War. Mais je trouve plus ma stock. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Il a l'air plus massif, voilà ce que je voulais dire. Funny block. Ok, ça se fait tout seul, c'est génial. Ok, le gamin il aide pas mal. J'approuve, j'approuve. Ok, tranquille, l'arbre sur son bras. C'est vrai qu'il y a des putains de bras. En tout cas, les graphismes sont magnifiques. Regardez les détails des feuilles. Oh là là. On a Gilbert Lévy. C'est bien connu dans le milieu. Alors j'ai hâte de voir sa femme.
Il faut dire qu'à ce niveau-là, il a jamais eu de chance, le petit Kratos. Embobiné, il a tué sa propre femme, enfin son ex, ses enfants. Il a tué des dieux. En fait, il fait que tuer, il sème la mort, on peut le dire. Donc peut-être que l'enfant aussi va mourir. Allez savoir. Ah, ok. Ah, il marche tout seul, tant pour moi. C'était le dernier. Ah bah non, c'est la production et tout. Depuis tout à l'heure, je suis comme si on était dans une ville, mais je suis vraiment un con. Bon, peut-être on va voir sa mère. Ça sent les funérailles, ça, c'est quoi ce délire? Ok, donc traînez pas avec Kratos, vous allez mourir, hein, les gars. Et vous mariez pas avec, parce voilà, que là c'est sûr, mort et certain. Voilà que je vois mon père. Toujours une ambiance amusante. Voyez. Faut dire qu'il sait voilà mettre le feu. Voyez les voilà qui m'appellent. 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 Ah, il est trop badass, moi. Elle est prête. Sale balafre, hein, le gosse. Digne de son père. Retrouve les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Que de souvenirs ? Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. En tout cas, Kratos, il sait mettre le feu, hein. Des barbecues? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant? Maintenant. Maintenant. Parce que allumer des bûches comme ça dans la neige en hiver, en deux temps, trois mouvements, chapeau bas. Ça veut dire qu'il est chaud. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. C'est parti. Par là.
L'arbre marqué, chasse avec Atreus. Père, pourquoi on fait ça maintenant? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez. Artefact, jouer, trouver. Bon, on va visiter un petit peu. Ok, donc là c'est ma baraque. Ok, on n'a pas toutes les touches encore. Ok. Je peux même pas sauter. Je vais juste aller checker dans la... On peut ouvrir la porte ? Juste aller checker là-bas. Alors bien évidemment on se retrouve dans la mythologie nordique. Après tout, la mythologie grecque s'est fait poutrer la gueule. La minute, pas d'illusion. Ok. Elle arrive. Donc la question c'est, est-ce qu'on va tuer tous les dieux nordiques, genre Odin, Thor, Loki, Freya et tout ce bordel, ou on va juste poutrer des monstres comme d'hab. En tout cas, nette amélioration des graphiques. Quoique c'était déjà au top, hein. Qu'as-tu trouvé ? Des traces, mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. C'est moi, je pense que... Attendez. Toi, hein... Remettre des caméras. Ouais, non, je fais bien comme ça. Il y a un objet. Je pense qu'il va avoir ce système d'orbe comme avant. Attends, tu as raté celle-là. On se rapproche, mais c'est pas un cerf. Tu vois, le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Une brave bête. Oui. Une brave bête. M'empêche que je pensais que c'était un trésor. Non. Déçu, je l'avoue. Déçu. Attends, y'a des ruines ici, mon coco. C'est quoi ça? De l'argent. On va peut-être pouvoir acheter divers trucs. Alors, j'ai eu la version, c'est quoi? Day One Edition, avec des boucliers, mais je sais pas trop ce que c'est. Oh, excuse, princesse. Attends, on est là, on papote. Attends, j'ai cru voir un truc là. Non, autant pour moi. Allons. Je suis peut-être aveugle aussi. Hein. Par là. Les enfants de. Encore de les traces. Patrie. Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Attends, on dirait qu'il y a une fille qui a eu ses foufs. Et maintenant? Okay. Par ici, Atreus. C'est rond pour sauter. Je me souviens plus des touches exactes, ça fait vachement longtemps. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Pour moi une courir, frérot. Ok, il court tout seul. Je fais bien attention pour éviter de... L'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. C'est dommage, il n'y a pas de coffre. On peut pas monter, c'est énervant. J'avoue. Oh. C'est bon tout ça. C'est bon. Donc c'est rond pour tout détruire. Avant c'était L1 R1 pour vendre des coffres. Oh, une chaîne. C'est quoi ça? On peut descendre? Non, on peut rien faire. Ah, la chaîne, elle brille. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Ah bon? On va faire quoi? Ok, c'est là, ok. Wow. Vas-y. Et je la récupère comment? Oh,
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, un triangle, ok. Une seconde, mon petit. Oh putain, je peux pas retourner en arrière, je voulais l'utiliser. Allez, cours, hein. Eh putain. Bien joué. Le voilà! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Ok, le daron Kratos, il rigole zéro. Il n'y a pas ton temps. Oh, cette chaîne, elle... J'ai bien envie de tomber rien que pour aller voir, mais je... on peut pas. On peut pas, bah, je sais pas, je sais vraiment pas. Peut-être ici. Non. Ok, bon, bah, l'histoire de la chaîne, ça restera un mystère. Attends, mon perso, il a couru tout seul. Non, tu n'es pas prêt. N'approche pas. Ok, je maîtrise le jet. Essaye le dé. Oh, les enchaînements sont magnifiques. L1 pour bloquer. Oh, un bouclier dingue. Ok, c'est dingue. Ok, on peut toujours focaliser, on a plus un frère, quoi. C'est bon? Oh, te dis regarde. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. L'histoire de la chaîne, elle me pose toujours des questions. Ah, attends, peut-être par là. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Ouais, bah, minute. On va prendre un maximum de choses. Ouais, tu vas me suivre. Attends. Le pont est là-bas. C'est-à-dire que la chaîne doit être ici. Ça va, c'était pas trop complexe. Attention à ne pas tomber. Ok, je dois réussir à aller là. Oh bah ok. Hop. Ça va, c'est assez facile pour l'instant. Lui il était vénère. Ok, on va perdre toujours un petit peu de temps les gars. On va prendre notre temps pour essayer de prendre un max de trésors. Je dois le faire d'un coup hein. Des loups. Ok. C'est plus des loups, c'est des loups morts. Il avait juste faim. Quoi? Les loups, ils faisaient rien de mal. Ah, c'est un tombeau, carrément, c'est lequel? Oui, c'était sûrement ça. 650. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, on n'a pas trouvé de marchand. Je vais trouver 3 sur 4. Je sais pas trop c'est quoi, à quoi ça sert. C'est bon, on peut y aller en tout cas. J'ai perdu un peu de temps, mais
C'était utile. Oh putain, il monte carrément sur le dos, j'avais pas tilté. Oh putain, ça c'est cool, je pensais qu'il allait me suivre, mais c'est vrai qu'avec ses petits bras chétifs. Ok, c'est... Il a vraiment pensé à tout, la cohérence de l'histoire. Par contre, on peut plus faire des sauts comme avant. Quoi pour roulade? Ok. Par là? Ok, c'est bon. Je me souvenais plus, c'était par où. Avant, on pouvait sauter, double jump, triple rotor, 4 en action. Et le tilt allait vers la gauche, donc je vais checker ici. Oh! Ok. Tu crois qu'on a le droit d'être là? Saut détruit 1 sur 3, c'est quoi ce délire? C'est ça le truc? Je suis avant. Ok, il est fermé. Il faut que je trouve encore un saut. Peut-être en hauteur. Ok. Ok, j'ai compris. Ah, ils ont passé à tout. C'est balèze. Oh, une belle course. Pomme d'une légendaire. Vous avez collecté un de... L'augmentation de votre santé. Ok, ok, c'est comme les yeux et les plumes, si je dis pas de bêtises. D'accord, c'est plutôt cool. Bon, ce qui me stresse, c'est qu'on peut toujours pas sauter, mais... Peut-être plus tard. Ou il est peut-être trop vieux, Kratos, je ne sais pas. Ok, il fallait détruire les trucs bleus alors. Là-haut! Quoi? Ouais. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Oh, ça c'est bien Kratos, il s'en bat les couilles du tout. Aucun respect. Regarde. Quoi? Tu peux me rendre mon arc? Ok, il est là-bas. Tu peux l'atteindre d'ici? Non. On devrait se rapprocher. Tir, il a du vécu. C'était Thor, le fils d'Odin. Ok, ça c'est toujours balèze, j'avoue. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Des ruines. Pourquoi le faire maintenant? Un petit peu. C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Pourquoi toutes ces petites particules là? Droga! Y a baleine sous gravier. La jauge de santé des amis. Ok. Ça c'est énorme. C'est excellent là. C'est plus marrant que... Oh, c'était quoi? What? Facile. Attends, j'ai appuyé sur triangle parce que je pense que les anciennes touches étaient triangle. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, bah. C'était easy. Ok. Alors, on a quoi ici? Ça, c'est un coffre. C'est quoi ça? Tu veux casser? Oh, on fait visa par avance. Ah, on a trouvé un trésor, les gars. Si ça, c'est pas génial. Hop là. Au revoir, merci, bonne soirée. Bon, on va voir ce que c'est. Elle s'ouvre. C'est nickel. Elle se referme aussitôt. Et maintenant? Ok, il faudrait que je gèle ça. On s'est visé ou pas?
Ah ouais, ok, j'avais pas ma hache. Okay. Tu l'as figé. On sait tout faire d'une main, il s'en bat les couilles, Kratos. C'est waouh. Il a des grosses couilles en teflon. J'apprécie. Suis-moi, Atreus. C'est quoi? C'est de l'argent encore? Attends, c'est pas vendre des trucs rares. Est-ce que... Attendez. Est-ce qu'on augmente... Armes... On a même des armures. Ok. Oh, on a des compétences maintenant. C'est quoi ce délire? Je vais faire quoi? On peut pas? On peut... Oh, attendez, c'est quand même bizarre. C'est quoi ça? Poignée en bois. Ah, c'est ça mes boucliers, parce que j'ai eu le truc à one. Oh, c'est juste la couleur, ok. Ouais, on s'en fout un peu. Ok, bon, bah on verra plus tard. Je suppose qu'il va y avoir un didacticiel. Bon. Bien joué. Ok. Pour l'instant, rien de compliqué. Des petits trésors. Oh, j'allais par là, mais je vais ouvrir ça d'abord. On prend notre temps, les gars, on prend notre temps. Ça va être un let's play très long. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Oh. Ok, il s'en bat les couilles du respect. Une autre chaîne. Peut-être encore un gros trésor. Oh ouais. À chaque fois, je suis surpris que le chou il saute, gros, en mode Tortue Ninja. Ok. Ok, il y a un passage là, il y a un passage là. On va aller checker ici d'abord. Pardon. Oh, un... je sais pas trop c'est quoi. Et si je fais ça? Ok, la hache elle défie les lois de la gravité parce que. Elle s'en bat les couilles. Elle passe à travers tout. Ok, donc maintenant il faut même plus soutenir pour faire, tu sais, on se fait saquer sur L1 R1 pour ouvrir des portes, maintenant ça se fait tout seul. C'est plutôt cool, mais je me souviens que quand t'étais au stress, t'avais 3000 ennemis à ton cul en mode hardcore. Croyez-moi que le L1 R1 c'était, tu transpirais de l'arrêt quoi. Oh, d'accord. Je t'avais pas dit. Ok, là c'est d'où je viens, je pense. Ok, c'est quoi? Atreus, par ici. Oh, regarde, c'est Scoléati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? C'est des vilaines bêtes. Ils sont arrivés là-haut. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat. Au-delà du mythe 1 sur 11. Ok. Ok, ok. On a même un codex, on se croirait dans. C'était quand quoi le jeu? C'est. Assassin's Creed. Oh, on peut plus sauter comme avant. Ça, c'est à cause du tuyau, je pense. Il va se casser une guibole. Bon, on va chasser le cerf, après on arrêtera le premier épisode ici, les amis. Mais je continuerai, hein, direct. Hein. Pas le temps de niaiser. Le jeu, il est. Père, c'est quel studio? Santa Monica Studio. Moi, oh, je connais pas. Attends, mon signal. T'avoue, j'ai jamais fait attention. Détends-toi. Okay. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vie de ton esprit. On prend le gosse. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Bien. Oh, je suis trop fort. Archer dans l'âme. Quel chose est passé à travers tout. Il est encore en vie. Taper tout le tour. Ah, faut l'achever, hein, sinon. Ben... Par contre, un cerf avec des cornes bleues comme ça, c'est peut-être un cerf de Tchernobyl. Hein.
C'est radioactif, le bordel. Non. Finis ce que tu as commencé. C'est parti. Tue-le. Allez. D'un coup, d'un seul. J'y arrive pas. Attends, s'il a aucune pitié, lui. Il s'en bat les couilles. Il y a déjà des tatouages et tout le show, il s'en bat avec, hein. Je... Il est mort vachement vite, hein. Dans la jugulaire. Non, Kratos t'es pas tendre, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il s'en bat les... Appuyez sur carré pour donner un truc de tirer des flèches à maintenir L2. J'adore ça, j'adore faire ça. On n'avait pas eu de monstre ultime comme dans le 1, 2 et 3. Dans le 1 c'était Lee. Le 2 c'était Cause de Roth, si je dis pas de bêtises. Et le 3. Ah bah c'était Poseidon. Oh le célèbre fini, je sais quoi, R3. D'habitude c'est rond. Oh, un coup du lapin, classico. Bien fait pour toi, Atreus. Calme-toi, calme-toi. Tu crois que j'ai eu peur de toi? Bah quand même, quoi. T'as paniqué tout le long. J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Merci. Tu n'es pas prêt. Ça c'est sûr. Manque de conviction. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire.
Non, tu n'es pas. Ah, il s'est bien défendu, prêt. Il s'est bien défendu. Kratos, il est vénère quand même. On ne veut pas l'avoir comme daron. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 1. Je suis prêt. Je fais des grosses lèches. Je ne veux plus t'entendre. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.